ça s'appelle les Cafés de Paname. Et c'était il y a longtemps, donc ça n'a aucun lien avec ce qui s'est passé sur Notre-Dame cette année. Hommage à elle quand même. C'était un conflit international, le plan Marshall, la loi prébaille. Les hommes grenouilles marchent sur les marécages, les hommes oiseaux tombent des nuages. Et Django Reinhardt dans les cafés de Paname, gratouillé sur la grande place de Notre-Dame. Un courant d'air manouche, babouche, babouche. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Le blues, le jazz, les cigarettes et les malabars. Tout a débarqué en Normandie. C'était en avril de 46. Et Django Reinhardt dans les cafés de Paname, gratouillé sur la grande place de Notre-Dame. Un courant d'air manouche, babouche, babouche. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Maintenant, hommage à la grande Edith. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Je pourrais rester là s'il le faut, à écouter Django Reinhardt dans les cafés de Paname, gratouillant sur la grande place de Notre-Dame. Un courant d'air manouche, babouche, babouche. Il est 5 heures, Paris se couche. Dans les caves de Paname, gratouillé sur la grande place de Notre-Dame. Un courant d'air manouche, babouche, babouche. Il est 5 heures, Paris se couche. Oh, yeah, yeah. Bravo, bravi.